à faire son équilibre fessier. Est-ce que ça brûle pas trop les abdos? Allez hop, les épaules s'embrassent. Plus vous allez fermer cette dernière, rapprocher le ventre des cuisses, plus ça va être difficile. Il n'y a pas de tension dans les épaules, essayez de garder le contrôle du mouvement, d'allonger avec le souffle. Relâchez. Écartement de bassin, on va venir poser les omoplates au sol. Courage, c'est le dernier. Contrôle la descente, ne faites pas ce que je viens de faire, là j'ai pas contrôlé, j'étais pas concentrée, on relâche. Donc relâchez quelques instants, quand on descend, surtout on fait pas ça, d'accord, comme je viens de vous faire là magnifiquement, on est bien dans son contrôle, on descend et on remonte. Allez, c'est reparti. N'oubliez pas, on n'écrase pas le pamplemousse qu'on a entre le buste et le menton. Allez, encore 7 secondes, sans faire la grimace, et on redescend une dernière fois, on relâche. Notre séquence est terminée, je vous ai mis deux petits bonus, donc buvez un coup. Enchaîner à nouveau 30 secondes, 3 exercices. Donc si vous n'avez pas le temps de faire de sport cette semaine, ce qui serait bien c'est que vous fassiez ces 3 exercices plusieurs fois dans la semaine. Le premier, il est ici. Je vais venir me mettre en les fesses en l'air. Et je vais alterner pieds-mains opposés. 30 secondes, si c'est possible. Allez. Voilà, ça c'est une sorte de planche, on travaille un peu tout, les jambes, les bras, les abdos. Ici on fait un crunch bicyclette, d'accord, je décolle et j'alterne. Allez, c'est parti. Donc ici je travaille les obliques. Les obliques et les grands droits, pardon, et le dernier, il est ici, pieds mains opposés. Je vais faire des planches, des battements, bras et mains. Hop. Position assise, ça c'était un petit bonus, on va s'étirer, vous avez très très bien travaillé si vous avez tout fait.
Ici, on vient basculer le pied de l'autre côté de la cuisse. On attrape le genou avec le pli du coude et on part poser la main, la même main que le genou fléchi derrière. Mon regard suit ma main. On souffle. On doit sentir un étirement dans les fessiers. On reste de ce côté, pardon, assise, on vient changer de jambe. On relâche, on met les jambes à l'écart. Ici, on vient se grandir, pied flex, on pousse les mains derrière. On enfonce le coccyx dans le sol, on étire les cervicales le plus haut possible. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on met la poitrine en avant. Et on sourit, parce que quand on sourit, on est joli. Je ne suis pas sûre qu'après 40 ou 45 minutes de renforcement musculaire, on soit très joli. Mais ce n'est pas grave. Ici, on bascule le poids du corps sur l'avant. On se laisse descendre, on sent l'étirement à l'intérieur des cuisses et derrière les jambes. La nuque est souple et relâchée. Ceux qui peuvent, vous allez poser le nez sur le sol. Inspire, on revient. On vient rapprocher les talons des fesses. On attrape les pieds, on écrase les genoux au sol. Ceux qui peuvent, là, ceux qui sont à l'aise, vous allez poser les coudes sur le genou bien écrasé pour étirer les adducteurs. On ramène, on passe à quatre pattes. Ici, on vient faire le dos rond. Pousse le coccyx en arrière, dos plat. J'inspire dos rond. Je souffle dos plat. Encore. On vient planter les orteils dans le sol, on se retrouve les fesses en l'air comme tout à l'heure, on vient rapprocher les pieds des mains, tout doucement dans le contrôle, on remonte les vertèbres les unes après les autres. On remet les épaules en position basse, on vient ici mettre la main à plat sur l'omoplate, on tire sur le coude, alors on a bien sollicité les triceps sur les dips et sur l'araignée de Myriam. Donc étirez bien pour ne pas trop avoir de courbatures demain, après-demain. Changez. Reviens, on attrape le pied droit avec les deux mains. Encore une fois, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On a les bras tendus, avec le pied, je pousse mes mains pour étirer mes bras et mes omoplates. Et avec la main, je retiens, avec les mains, je retiens le pied. Changez. Bon, j'espère que la vidéo a tenu en entier, parce que hier, je vous l'ai faite trois fois, et trois fois, ça n'a pas marché. Donc j'ai très très mal aux abdos. Relâcher, on va mettre le coude dans le pli du coude. L'avantage, c'est que j'ai pas eu de séance à préparer aujourd'hui. Changer. Ici, on vient mettre les jambes à l'écart, les genoux sont fléchis. On inspire en ouvrant les bras jusqu'au ciel. Sur le souffle, on accompagne jusqu'en bas. Ça, ça sent la fin. Allez, encore, inspire. On souffle. Et une dernière fois. Et soufflez. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.